Salut gang! Je vous laisse vous connecter. On va faire le tirage. Je vais aller chercher mon iPad. Si je ne me trompe pas, faites-moi un petit coucou quand vous êtes arrivés. Vous avez vu mon code, hein? Vous allez pouvoir me voler mon iPad n'importe quand. Salut Lorraine, salut Nicole, salut Joanne. Comment ça va? Je vais vous laisser un petit peu vous connecter avant de faire le tirage de la grille qui a été complétée. Je retrouve, parce que je publie beaucoup. Salut Émilie, salut Caroline. Voyons, j'ai un petit chat dans la gorge, ça m'étonne, je n'ai pas assez cette... j'essaie de retrouver ma grille pour faire le tirage. Clairement, j'ai passé une publication quelque part. Salut Lise! Ça va bien, ça va bien. J'ai une petite voix relax. Ah, oh, voilà! Voilà ma liste. Donc, c'était un numéro 1 sur 25. Voilà, vous vous rappelez, je ne tricherai pas. J'ai mon tour de la roulette là, ici. J'espère que tout est beau. Pfiou! Je l'ai chargé. Ça arrête de bugger des fois. Puis, dans le fond, le premier, je vais faire tirer le kit carte. Puis, salut Alexandra, salut Karine, salut Brigitte, salut Carole. J'ai-tu manqué quelqu'un? Si j'ai manqué quelqu'un, c'est pas méchant. C'est pas méchant du tout. Je pense là, il y a 20. Non. Colline, je l'ai mis où? Ça, il y en a-tu 25? Attendez. Bon, il y a 25 dans la roulette, fait qu'on est correct. Donc, le premier, ça va être le kit carte. Je vais juste aller chercher... Ah, oh, voilà. Je vais me chercher pour le retenir. Alors, êtes-vous prête? Salut Audrey! C'est parti! Mon kiki qui gagne le kit carte. Là, je vous rappelle que j'ai la liste juste à côté. Salut Lorraine! Numéro 22, et c'est Denise Kimpton. Denise, je vais communiquer avec toi pour pouvoir t'envoyer le tout. Il m'en reste un... Voyons, Seigneur, j'écris mal à soi. Bonne chance pour celles qui vont regarder mon bricot. Pour le kit vieillot, ça sera pas long. Voyons. On dirait que je suis dans l'une. J'ai pas pris de café, mais j'aimerais ça être possible. Alors, la prochaine... C'est parti, mon kiki! Qui va nous gagner le kit vieillot? Je fais du son en plus de la roulette. Numéro 14, c'est Lise Doré. Alors, félicitations, Lise. Je vais communiquer avec toi aussi pour te faire parvenir ton prix. Voilà, félicitations à Lise et félicitations à Denise. J'ai demandé à plusieurs personnes... en fait, j'ai demandé si vous aimeriez mieux un crédit ou des kits. Vous pouvez me répondre, là, ça serait-tu mieux un kit ou un crédit en magasin? Puis, je vais rouvrir le tirage après le live, là. Fait que faites juste me répondre si vous aimeriez mieux un crédit en magasin. By the way, il y a une commande qui s'en vient de Fabrica. C'est long avant qu'elle arrive, mais j'ai commandé beaucoup d'affaires pour ma boutique, fait que ça peut attendre. Sinon, si vous voulez des kits, faites juste me le dire. Ça peut être un kit en attendant la commande, puis après ça, deux kits dans le fond de la même affaire, puis c'est ça. Fait que faites juste me le dire si vous voulez un crédit ou des kits, puis c'est cela. Qu'est-ce que P vous dit bonjour? Là, je veux vous faire choisir, après je vais juste arranger ça. Je veux vous faire choisir sur... Si je fais une page pour un défi en ligne, oh Seigneur, que ma vie est pas facile, je vais y aller de même. Pas facile, je suis mêlée. Scrap, Fimon et compagnie, je voulais peut-être faire le défi page du mois de juin. C'est celle-là. Soit que je fais ça ou félicitations, donc on... Là, vous devez me répondre en premier si je fais un crédit ou je fais des kits. C'est ça la première étape pendant que je prépare les autres affaires. Fait que crédit ou... Oh!
C'est ça, en envie, faut vraiment acheter. Dernière minute, Lise, ça fait deux fois que tu fais ça. Ça fait deux fois que tu gagnes, c'est vrai. C'est vrai. Alors, crédit pour certaines. Pendant que vous me répondez, je vous présente un peu, ça serait quoi? J'en ai une et demie. Non, mais hein. Donc, soit que, c'est sûr que c'est des trucs de Noël, mais soit qu'on fait un kit carte que j'avais acheté chez Fabrica. Oups! Qui a plein de trucs pour faire des cartes. Voyons, j'ai donc bien un chat dans la gorge. Je sais pas s'il faudrait faire pareil. Soit que je fais ça puis j'en fais quelques-unes, mais je vous avertis, ma patience au niveau de la carte est peut-être pas là. ouais, ou sinon, soit que... C'est ça que je fais une page pour le défi Scrap Fimo. Crédit pour Lise. Je vais lire les commentaires après, mais d'après moi, ça va être Crédit qui va gagner. Ou soit l'autre kit que j'ai là, c'est un oiseau que j'avais acheté à Martha la Porsche. Ah, j'ai de la misère. Qu'on pourrait décorer à soir avec les produits trésors que j'avais. Fait que... Merci pour celles qui commencent déjà à répondre. Une page, soit une page avec le défi Scrap Fimon, soit le kit carte, soit l'oiseau. Répondez-moi à ça, puis je pars ça dans pas longtemps. Quand vous allez avoir répondu, à date, c'est deux pages. Il est tellement beau, le défi Scrap Fimon, que ça se peut que ça soit la page qui gagne. Hein? Page, page, je suis rendue 1, 2, 3 pages. Bon, je vais faire tout seul, mon oiseau. C'est ça, je comprends. Je fais des blagues. Je te le dis. Fait qu'à date, page, page, page. Bon, ben. Y a-t-il quelqu'un qui veut pas page? Ça sera pour une autre fois. Alors, oiseau. Bon, Lise, merci d'encourager l'oiseau. Continuez, je suis en train de ramasser à date ces pages. Salut Francine! Fait que là, en fait, il faut que ça soit ces couleurs-là. Francine, on est en train de choisir, est-ce qu'on fait une page, est-ce qu'on fait un kit carte, mais c'est Noël, ou un kit un oiseau en mix média. Fait que tu dois choisir... Ah, oh, ben oui! C'est vrai! Ouais, mon oiseau, c'est une autre fois, mais j'en ai une autre cage. C'est bien que je n'en ai acheté deux, tu sais. Bon, mais c'est correct, ça va être une page avec ça. Je vais me choisir un papier, puis on va t'y aller là-dedans. Ça va me faire un très grand plaisir. Je vous laisse continuer de voter, mais c'est choisi. C'est choisi. Il me semble que j'ai quelque chose de... Un beau kit, là, pas loin, qui fait très... Ça fait très, ça me semble. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut, Julie! L'oiseau pour Francine, mais on a changé d'idée. Qu'est-ce que vous en pensez pour ces couleurs-là? Des fleurs, du turquoise, il n'y a pas d'ananas, mais... Mais ça me s'affiterait avec tout ça. Fait que ça va être ce papier-là. Voilà! C'était pas long de choisir, hein? Choisissons-nous une belle photo. Ah, j'ai peut-être lui. Un manque de rose. Il y a cette collection-là aussi de... Lemoncraft qui est extrêmement belle. Mais il n'y a pas de rose dedans. Fait que celle-là, on va pouvoir jouer avec les couleurs. Comment ça? Hey, Scrap Fimo, ça va être le fun. Je pense que c'est la première fois que je fais un défi de Scrap Fimo. Puis je les aime bien, là. C'est que j'ai manqué de temps à ma naissance. Voilà. Je n'ai en masse hein, pour mettre du Scrap Fimo dessus. Il faut qu'il y ait deux. C'est ça, il y en a-tu qui le font souvent? Salut, Daniel! Ma tante Dan, hein, pour les intimes, je t'appelle jamais Danielle. Y en a-tu qui le font souvent, le truc de Scrap Fimo? C'est juste deux affaires, hein, dedans. Salut, Nathalie!
Donc, ma photo que je vais choisir. Puis, après ça, c'est parti, mon kiki. La, 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 la. J'ai beaucoup trop de photos qui traînent. Cassiopée, en passant, elle nous accompagne, la voyez-vous. Qui a gagné, c'est Lise Doré et Denise Kimpton. Moi, j'ai été vite sur le... sur le concours, mais je voulais bricoler quand même vite. Bon, je vais choisir une page. Cassie vous dit bonjour. c'est une photo que je veux choisir. Pour fitter, j'aimerais trouver une photo de fleurs. Je voulais une photo de Noël. Je te dis. Je vais trouver. Ça dans le temps de le dire, ma page va être finie. Hein? Pensez-vous? Salut Brigitte! Pas toi? T'as pas gagné, moi. Mais là, on a décidé que je ferais tirer des crédits. Je vais refaire des cases pour des crédits après. Là, je cherche une photo de fleurs rose. Ça serait intéressant. J'ai beaucoup trop de photos inutile là-dedans. Non, j'aime pas le noir. Le noir dans cette photo. Fait qu'on... Ceux-là, voilà. Il me reste une partie, là, puis je vais trouver de quoi de beau. J'en ai trop mis dans mes mains. Salut, Diane! Ça fait-tu, ça? Non. Mon chat, là, on dirait qu'elle fait pas exprès durant les lives pour me pogner les jambes. Ouais. On est dans le rose, là, mais c'est trop rose. Ah, pour les inséparables, Caroline. C'est trop rose. Je vais en trouver une, j'en suis certaine. C'est ça quand tu as trop de photos. Tu sais, dans ma tête, à moi, là, je cherchais une photo. Non. Un canard? Non, non, je fais des blagues. Ouais, ça va sûrement être mes petits souliers roses. Rose pâle. Mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais une... En tout cas, c'est pas grave, hein? C'est pas de votre faute. Je cherche une photo puis je la trouve pas. Fait que je passais pas 4 jours à chercher la photo dite. Parce que vous allez être tanné d'attendre après moi. Puis je la vois pas. Je voulais une belle photo de rose. Mais je l'ai peut-être mis dans mon album. Ça se pourrait, hein? Oh, je tiens beau. Mais la photo est trop petite pour moi. Bon, ça va être sûrement les souliers ou ceci. Ou ceci. Bon, désolée. Salut Andrea. Salut Lauriane. Voilà. Donc, je vais me le mettre de côté pour m'inspirer. Il y a un mur de briques. Je veux juste aller lire les consignes pour être sûre que je fais pas n'importe quoi. Soit une carte ou un truc, avoir 2 produits scrap fimo et s'inspirer du monde. Bon. Fait qu'il y a comme du bois, il y a un ananas, il y a des fleurs. Fait qu'on va s'inspirer de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça là, ça c'est la belle vie pour moi, hein, vous savez. Il y en a plein dedans. Fouillez-moi pas, ça date de quand, cette patente-là? Je sais pas, mais je l'aime bien. Je l'avais jamais utilisée. Fait qu'on va se trouver... Ça répète des plumes aussi, mais... On va voir. Bon, ça y est, j'ai enlevé le collant. Fait que là, ma mounette, elle a pas encore accouché.
Fait que d'après moi, elle était pas enceinte. Gisole Chitoli, que j'ai montré cette semaine. Là, si vous êtes abonné à mon Facebook, là, j'ai montré la bédaine cette semaine. Puis, c'est bien intéressant. Oh, je pense que ça va être celui-là. C'est bien intéressant, sa bédaine. Elle est quand même grosse. Son nom est beau, ces papiers-là. Ouatatao! Je veux comme pas y couper. Ils sont pas très... voyons. Épais, par contre. J'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Une idée folle. Mais ça me ressemble, ça. Ah, me voyez-vous venir, là? Ah. Ouais, non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Là, je réfléchis. Je réfléchis parce que je vais mettre ça dedans. Là, je suis en train de me demander lequel que je gaspille. Je vais peut-être même gaspiller les deux. Et même les trois. Fait que je mets ça de côté. De toute manière, hein, la collection, je sais pas de quand, je sais pas quand je vais le reprendre. Donc, vous avez bien compris, c'était celle-là en fond. Comme le papier est mince, j'allais me chercher un petit... un chipboard si j'en trouve un, parmi mon bazar. Si j'en trouve pas, je vais me trouver quelque chose d'autre. Parce qu'il est vraiment, mais vraiment, comment je pourrais dire, il est vraiment mince. Je me suis trouvé un papier. Ça va être ça en fond que je vais coller. C'est un beau papier mauve, pas mauve, mais rose. J'ai perdu mes couleurs. Bon, fait que je vous ai pas trop perdu. C'est long, mon affaire aujourd'hui. Chou, moi, chou. Rappelons-nous qu'il faut que je mette du scrap fumon là-dedans. Hein. Là, ce que je cherche, c'est mon tape double face pour coller mon truc. Ça me prendrait quelqu'un à temps plein pour venir faire le ménage dans ma salle de bricot. J'en ai m'en chercher un autre. Je pensais que j'avais juste du 3D. Mes chats sont-ils trop venus? Bon. Fait qu'après que j'aille tout coller, je vais retrouver l'autre. Gagez-vous. Voici Darcy la peste. À trouver le bol d'eau. Bon, merci. Ginette. Bon. Fait que voilà. Après 10 heures, je vais commencer. Pensez-vous? Fait que là, il faut mettre deux trucs de scrap fimo. Bon, je vais vous poser une question que je pose jamais. Ouch, Cassiope. Qu'est-ce que vous avez mangé à soir? Répondez-moi ça. C'est le moment, là. Ah oh, non, je sais. Dites-moi ce que vous avez mangé. Puis après ça, je vais vous poser une autre question. J'ai eu un pop-up. Voir si vous me connaissez bien après. J'ai pas de réponse. C'est que vous avez coupé le son.
Ah oh non, hey, vous me répondez de tantôt puis je vois rien. Beau papier qui a gagné, pas moi. Hey, désolé, hein? Je voyais pas ça. La collection c'est Dream de Belle Grosse Bédaine. Qui ça? Oui, ma mon je vais venir moi organiser ta salle. Mon prix un chaton bengal. Hey boy, ça vaut pas ça. Pâté au saumon fumé, super, filet de porc, pâté chinois, spaghetti. Salut Lynn. Bon, hey, je vois vos commentaires. Je trouvais que vous me répondiez pas fort. Je parlais tout seul. Oh, chicon braisé, ça c'est bon. Mais non, ça n'a pas de l'air trop cheap, c'est sûr. Des fois, hein, c'est les repas cheap qui nous font du bien. Oups, voyons. Tourtière du Saguenay. Mmh, ça, c'est bon aussi. Salut, Doris. J'avais pas vu que tu étais là. Alors, question quiz. Oui, ben écoute. Oui, ça vaut cher un bengal, effectivement. Puis ma salle n'est pas si en désordre que ça. En fait, c'est justement les bengales qui la met en désordre. Ou mon Maine Coon, là, qui va peut-être sacrer tout à terre. Fait que là, c'est ça. Chitoli tombe en isolement pour accoucher bientôt. Ah, oh, c'est bon, ça. Ballonné, rôti, salade. Cuit dans poêle. Ah, oh, que c'est bon. C'est bon. Ça fait longtemps que j'ai mangé ça, hein, Joanne. Fait que ça fait pas cheap, ça fait du bien. Ça, puis moi, là, vous allez rire, là, mais des fois, pour être contente, là, me faire un crave dîner. Tu vois, c'est, tu sais, des pêchés mignons, là, ou une toast au croton. Tu sais, c'est bien tranquille, c'est un bonheur des fois. Tu sais, quand t'as vraiment le goût de quelque chose, là, ben, c'est génial. C'est génial. Donc, comment ça j'ai mis? J'ai mis du tape jusqu'à la bande. Bon, j'ai un petit peu fait une erreur, mais c'est pas grave. Vous allez me pardonner, j'en suis certaine. D'habitude, je suis une pro pour le coller. Là, j'ai collé croche. Qu'est-ce que ça? Je me trouve drôle. Ben, tiens, pas de tabac. Voilà. Non, ce sera pas beau. Je vais le couper. Mmh, bon. Oui, un crabe dîner, là. Tu vois, mon chum, il déteste ça. Un crabe dîner. Mais moi, une fois de temps en temps, ça fait mon bonheur. Mais tu sais, je fais quand même attention à ce que je mange. Fait que j'en mange pas ces temps-ci. Pas du tout même. Je voulais vous demander, essayez de deviner ce que j'ai mangé pour ça. Tu sais, souvent, ça revient au même. Fait que je trouve ça drôle. C'est ça, le... Essayez de deviner. Finalement, je peux décoller ça. Vous avez le temps. Bon. Ça va être ceci. Faut pas que j'oublie scrap fumon. Fait que je vais choisir déjà mes trucs de scrap fumon qui fit avec ça. Hein, les beaux die cuts. Des plumes. Déjà là, ça va bien mon affaire, hein? Non, pas de la bavette. Ah, avec de la saucisse à dog, oui. Non, pas un shake. C'est rare. Ça, c'est quand je veux que ça aille vite, les shakes. Souvent, je soupe mieux parce que c'est mon chum qui me fait à manger. Ça, non, c'était trop Noël, là. Bon, je regarde dans mes affaires Scrap Fimon. Qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans? Je mets vraiment des affaires de côté, puis je suis pas sûre, là. Spaghetti? Non, je mange pas de pâtes dans mon plan alimentaire. Vous êtes proche pendant que je fais ça. Oh! Il y a donc bien des belles affaires, Scrap Fumon. Je le sais que je vous dis la même affaire avec les citrons, mais j'aime ça, moi, les affaires. Non, ça fit moins. Je vais juste me sortir une coupe de patente. Ça fit pas.
Ça, j'en ai un. Je serais dû commander, pensez-vous? Salade de thon. Ah, oh, poutine chez Ashton, ça serait magnifique, mais non. oui, j'ai mis un basil parce que le carton était trop mince pour moi. Puis, j'avais pas de... j'avais pas de carton... Ouais, un des deux. J'avais pas de carton chipboard, fait que j'ai pris ça. Voici ma tricherie. J'ai deux fois celle-là. Coudon! Celle-là aussi deux fois. Je pense que quand je commande tout le temps la même affaire. Ça aussi, c'est beau, ça fit. Tchouk! Bon, voici, j'ai fait le tour. Mon bazar Scrap Fimo est là pour m'aider. Hein? Voilà, saumon, poutine, on achète local. Qu'est-ce que j'achète? Ah oui, Scrap Fimo! Oui, là, j'étais là, qu'est-ce que j'ai acheté local? J'achète pas souvent local. Donc. Ouais, je sais pas si je prends lui, parce qu'il est vraiment beau, ou je prends ce petit-là avec ce carton-là. Lui, je l'aime vraiment. Fait que là, je vais découper avec des petits ciseaux que j'ai eu. Oh! Crop Limstromich, hein? Non, c'était pas du poulet. Vous étiez proche avec la bavette. Mais c'est pas une bavette. Salut Anne-Sophie. Là, je vais couper en essayant de lire vos commentaires puis en essayant de me tasser de mon chat qui me mange les jambes à terre. Hein? Ce n'était pas du poulet. Ce n'est pas du porc, ce n'est pas du poisson, mais de la bavette, vous étiez proche. Du steak! Ouais! Bravo, Caroline! Non, pas un T-bone, c'était un petit steak au poivre, mais pas très au poivre, là. Tu sais, la petite grosseur-là, avec plein de bons légumes cuits dans l'huile d'avocat. Puis, j'ai fait une petite tricherie ce soir. Je me suis fait un bagel. Je mange plus de pain, mais là, j'avais le goût de manger du pain. Fait que c'est ça. Hein? Faut pas non plus capoter quand on fait des plans alimentaires. Des fois, moi, je me donne une petite tricherie. Bon, Darcy voulait venir dire bonjour. Ah, ça aurait été bon, ça! Une fondue! Ah yes! Super, Anne-Sophie, t'as reçu mon colis. Ouais, une fondue, on aime bien ça, se faire ça. C'est sûr qu'il commence à faire chaud. Mais tu sais, une belle fondue extérieure, là. Le temps que les mouches mangent toute notre viande, c'est tellement bon. Mais c'est un steak avec des légumes, puis je me suis fait un bagel avec du fromage à la crème et des croutons. Ouais, c'est un peu bizarre hein, quand on parlait de ballonné. Ben moi, ça a été du croton avec du fromage à la crème à soir. Fait que là, je coupe ça grosso modo. Parce que je veux venir décorer. Et mon chat est vraiment tannante, hein? Elle est vraiment rendue dans. Vous la voyez pas, je pense. Salut Catherine! Bon, le live à soir, c'est Cindy qui coupe des papiers. Ben, ça fait changement. D'habitude, je vous les coupe en carré. Mais là, au moins, je vous pars pas ça avec de la peinture verte. Quand même. Là, je vais couper ça de même. Ouais, je le trouvais beau lui aussi. Je savais pas, mais je savais pas si je voulais briser l'autre bord ou garder celui-là. Puis moi, je trouve que ça va être une super idée de mettre ça puis de rajouter des trucs. Ou même de cette façon. En tout cas, je vais trouver une façon de venir retravailler le tout. Puis finalement, je suis contente de gaspiller le papier parce que vu qu'il est mince, je sais pas si j'aurais fait beaucoup de création avec ça.
Lise, as-tu le colis? Je sais pas. Je sais pas, Lise, elle va en avoir un nouveau. Faudrait que je regarde ma... l'adresse. Bon, attendez, mon chat a tiré mon appareil. Faut que je la garde, cette peste-là, parce qu'elle fait juste ça, tirer tout à terre. J'ai hâte qu'elle couche. donc, je pense que ça serait plus beau par là. Puis... ça que je prends un... pour venir jouer avec ça. Ou celle-là, il y en a un plus petit, puis ça serait... je prends lequel? Le gros ou le petit? Répondez-moi ça. Le gros ou le petit pour aller avec la page? Ou je prends les trois? Le gros, le petit ou les trois? Pour une fois, je vous demande votre aide. En plus, je vais sûrement l'écouter. Le petit? Vu que Brigitte a dit le petit, je vais prendre le gros. Mais ouais, ces temps-ci, là, les deux. Ah, Caroline, je te reconnais. Les deux. Bon, OK, vous voulez vraiment que je découpe à soir? Hein? Bon, je vais commencer par lui. Je vous laisse pas répondre bien, bien longtemps. Fait que là, on va faire un tirage pour prochainement, pour un crédit en magasin. Voilà, mais je voulais vous parler d'autre chose. Vous allez, celles qui me suivent partout sur Facebook, vous avez sûrement vu que j'ai fait une parution hier en disant que quelque chose s'en venait de gros avec une autre de compagnie. Puis, on va faire une méga, méga concours. En tout cas, restez à l'affût, je vais sûrement vous en reparler, mais le concours, c'est pas pour... tu sais, d'habitude, c'est pour gagner des produits ou tout ça, mais là, c'est pour gagner des sous. Puis, ça va être gratuit. Fait que, pour vrai, ça va valoir la peine que vous participiez à ce concours-là. Je vous en parle pas trop, mais... restez vraiment, vraiment à l'écoute de mes affaires. Parce que... hein, j'ai comme pas le goût de couper ça parce que j'aime la tâche qui est là. Parce que vraiment, c'est un méga, méga concours de fou raide. Fait que moi, j'aimerais ça participer. Je suis comme jalouse de tous ceux qui vont participer parce que le montant, il va être quand même intéressant. Puis, on sait que durant le COVID, on a besoin de sous. Ben, la plupart ont besoin de sous, peut-être pas tout le monde. En fait, je vais le partager sur mon compte personnel, mais c'est en lien avec ma page au naturel et en santé, puis ça va être aussi en lien avec mon groupe. Donc, si vous me suivez un peu partout, là, je vais le partager souvent. Si vous le trouvez pas, vous me le demanderez. Puis dans le fond, là, ça va être un concours assez quand même facile à participer. Fait que je vous en dis pas trop. Ça commence un samedi, je pense, que je vais partager les instructions. Fait que restez à l'affût dans mon profil. Si vous n'êtes pas mon ami, ben vous pouvez être mes ennemis, là, mais si vous n'êtes pas mon ami Facebook, ben je vous invite à le devenir. Puis si ça marche pas parce que j'ai trop d'amis, j'en flusherai pour vous avoir. oui, je vous fais languir parce que c'est beaucoup trop intéressant. Puis si je vous le dis tout de suite, vous allez me dire « Ah non, non, je veux tout de suite m'inscrire, mais je peux pas prendre les inscriptions tout de suite avant samedi. » Mais l'indice, je peux vous dire c'est quoi. Un indice, ça va être des sous à gagner. Et pour faire ça, vous allez devoir partager mes affaires. C'est simple, hein? C'est simple. Salut Viviane! C'est super facile à faire. Ça va être de soit partager mon groupe un certain nombre d'invités dans mon groupe, soit partager ma publication en taguant des gens un certain nombre que je vous dis pas, je peux pas tout vous dire quand même, ou soit en en invitant des gens sur ma page. Donc, ça va être assez facile. Hein, trouvez-vous? Salut Sarah! Donc, moi, êtes-vous, je m'essayerai. C'est simple, tu partages une page puis tu cours la chance de gagner quelque chose.
Puis qui sait, peut-être que... bon, Cassiopée, tu voulais m'arroser? Peut-être que ça va être vous. Puis en fait, j'aimerais ça que ce soit vous. Moi, j'aimerais ça que ce soit quelqu'un de ma gang. Quelqu'un que j'aime. Quelqu'un que je connais, qui le gagne. Il me semble que ce serait le fun. Fait que c'est pour ça que je vous en parle. Si vous le faites pas, je serais pas fâchée. Mais si vous le faites, c'est pour vous, là. Si vous gagnez, vous splitterez avec moi. C'est bon, ça? Maudit bon deal. Oh, je fais des bonnes affaires. Moi, j'ai pas découpé. Ici, j'ai découpé, puis là, j'ai pas découpé. Fait que je vais peut-être aller découper ça un peu. Mais ici, je trouvais belle la tâche. Fait que je vais essayer de faire de quoi de subtil. Il est vraiment mince, le papier. Fait que ça découpe pas super bien. Pour celles-là qui me connaissent pas beaucoup et qui savent pas de quoi je parlais là tantôt, c'est ma page. J'ai une page au naturel et en santé. C'est des produits naturels que j'ai, que je suis distributrice et que j'utilise là depuis un bon bout. C'est des produits vegan, 100% naturels, vraiment bons pour la santé. Puis c'est une page que je partage souvent. Aussi, j'ai un groupe Confiance en soi naturellement, passionnément et naturellement. Quelque chose de même, hein? C'est ça, les filles? Il me semble que oui. J'ai de la misère avec ce nom-là. Cette page-là, ben, je publie des choix vestimentaires pour Sarah qui vient d'arriver. des choses rigolotes. Je publie vraiment des choses le fun et je m'amuse. Là, ces temps-ci, je publie moins parce que je travaille trop. Mais souvent, là, je m'amuse à publier aussi. Vous allez voir, des fois, je publie mes concours, que ce soit n'importe où dans toutes les compagnies que je fais parce que j'en fais beaucoup. J'ai mon profil personnel, là. Il n'y a pas d'autre chose, je pense. Y a-tu d'autres choses, les filles? J'ai oublié de parler. Je pense que non. Mais, tu sais, celles qui ne me connaissent pas beaucoup, je suis en train de couper une fleur qui est belle. Celles qui ne me connaissent pas beaucoup, je suis hyper active puis je suis tout le temps dans plein de patentes. Fait que c'est ça. Puis là, tantôt, j'ai fait un bingo avec une représentante épicure puis j'ai gagné. Fait que. Tu vois, des fois, c'est le fun de gagner des prix. Déjà pas mal. Moi, c'est assez. Hein? C'est assez. Ah, tu parlais de la page ou de mes trucs? Ouais. Puis, tu sais, les filles qui me suivent, qui, des fois, ça tente des choses eux-mêmes. Je serais pas fâchée si vous faites masquer les publications. Tu sais, vous pouvez juste, mettons, vous inscrire... à regarder juste mes affaires de scrap. Il y en a qui peuvent juste regarder mes affaires de leggings. Il y en a qui regardent juste mes chats. Tu sais, ça me fait plaisir, là. Puis je fais ça. Moi, pour moi, c'est mon travail. Mais je sais que ça peut tanner des gens. Fait que le but, c'est pas de vous tanner, mais vous pouvez vraiment masquer les choses, là, si vous me trouvez trop tannant. Puis je serais pas fâchée, je vais vous parler pareil. Mais moins. Ouais, j'en fais pas mal de trucs, mais... Tu sais, ça fait partie de ma personnalité, je pense, d'être de même. Tu sais, mettons que je m'aurais préparé, là, encore une fois, là. Ça aurait été moins long de regarder le live, parce que là, je suis vraiment en train de découper. Je vais sûrement avoir une anglophone après sur mon vidéo qui va dire « C'était trop long, tu as découpé, tu as fait un tirage. » Hein? Mais ça va faire un beau résultat. Un beau résultat. Mais ça travaille ma patience incroyable. Salut Denis, félicitations madame. Tu as gagné le kit carte en début de tirage. J'ai fait le tirage. Fait que félicitations Denise. Pour celles qui ont gagné, Lise et Denise, hey, ça rime en plus. Communiquez avec moi en privé. Puis je vais prendre vos coordonnées pour vous transmettre le prix. Oups! Je pense que j'ai fini le découpage. Sinon, c'est assez. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y avait des petites plumes aussi que j'aurais pu découper, mais je vais prendre les die-cuts de Scrap Fimo. Ça va être juste parfait. Bon, hein, j'étais silencieuse pour une fois, c'est rare. Donc, à date, là, je travaille pas vendredi soir. J'ai pas trop de massage, mais je pense à date soit vendredi soir ou la plupart avaient voté pour asseoir, mais je pense que j'aurai de la disponibilité pour vendredi soir ou dimanche soir pour faire un live, à moins que ma masso se book. C'est sûr que je vais être en priorité masso ces temps-ci parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Les clients sont contents de me revoir. Fait que j'y vais là-dedans. Dans la priorité. Mais pas parce que je vous aime pas, parce que il y a d'autres mondes aussi que j'aime. Quand même, hein? Il n'y a pas juste vous. Je fais des blagues. Donc, on va s'amuser aussi. Fait que là, voilà. Comment on va couper ça? Ça se peut que je coupe la fleur. Ah oui, oui, oui. Bon, j'ai pas fini de couper, finalement. C'est beau dans le papier, mais ça va être beau autrement aussi. Tiens! Ha! Tadam! Des fois, Cindy est drôle. Je vais voir si j'en rajoute pas quelque part. Je veux pas non plus trop en mettre. Fait que ça se peut que les fleurs, je les mette pas. Comme ça. J'ai coupé, mais c'était ça que je voulais plus. Fait qu'on va voir ce que je vais faire. Fait que ça, c'est dans le fond là. S'il n'y avait pas de ligne, là, ce serait magnifique. Bon. Fait que ça, je sais que ça, c'est là. Fait que là, ma photo, elle est là. J'aimerais l'installer ici. J'essaie de trouver ce que je vais mettre en fond. Pour la photo. Vous êtes encore là, mes jaseuses? Fait que trouvez-vous que c'est un bon cue que je vous dis pour le concours? En tout cas, si vous, là, vous êtes abonné à mes pages, là, vous pouvez souvent gagner. Un, je suis généreuse. Puis deux, je veux tout le temps patente à faire tirer ou... Puis tu sais, des fois, ça vaut la peine d'investir un 2$, 3$, 6$ pour gagner un prix. Des fois, on est déçu quand on investit et qu'on gagne pas, mais souvent, on gagne tout le temps à un moment donné. Salut, Joanne! Salut, France! Bon, des fois, il faut être patiente, par exemple, quand on coupe ça, hein, mais... vous savez, c'est ma force, être patiente. Pas pantoute. Fait que là, je vous montre un truc de lâche pour faire mon matage de photo. Tout le temps plein de trucs bizarres, moi. Voyez-vous, là? Si je sais, oui. Tadam! Voici mon truc de lâche. Soit que je prends la tranche ou soit que je coupe. La plupart du temps, je coupe droit. Je lui dis la plupart du temps. Mais des fois, non.
Là, je pense que j'ai coupé croche. Fait que, tu sais, il a fallu que je le dise pour que ça coupe pas droit. Mais. Hein? Bing, bing! C'est fait. Fait que là, mon autre truc pour mater. Oh, wow! J'avais pas vu que c'était beau de même de ce bord-là. Colline, j'ai manqué ça. J'ai manqué ça. Fait qu'on va recoller ça. J'ai-tu encore perdu mon double face? Hey! Voilà. Hey, avoir su, il était beau ce bout-là. C'est pas grave, ça va être beau pareil. Fait que là, j'ai une amie qui arrête pas de me parler sur Messenger. Peut-être qu'elle va se loguer. Je vais dire, hey, arrête de me parler. Je t'enlève. Ouais. Là, il reste. Il y en a-tu qui travaillent dans les écoles? Il reste vraiment pas beaucoup de temps à la fin de l'année. Puis je vous le cacherai pas, là. Que j'ai hâte cette année plus que d'habitude. Mettons que c'est pas si le fun faire une fin d'année avec. Des. Touche pas à ça, fais pas ça, va demain! J'ai l'impression d'être la police de la mesure. Y en a-tu dans mon auditoire ce soir? Qui font ça? Dites-moi les dents. Encore une fois, oups, je vais faire mon truc de lâche. Et mon truc de lâche, il ne marche pas complètement. Parce que, oups, c'est comme si mon chat avait mangé un bout. Voilà. Je vais dire que c'est Cassiopée qui a fait ça. Tout le temps de sa faute, de toute manière. Bon, puis ceux-là, je vais couper des petites bandelettes. Pour essayer de trouver quoi de beau, quoi de cute. Pas moi, ouf, c'est comme ça que les yeux. Ouais, je sais, les adultes aussi, ça comprend pas vite. Je pense que dans n'importe quel domaine, puis là, on est à un moment où est-ce qu'on est tanné. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont lâché prise. Sur certaines affaires. Bon, je viens vous dire que je coupe droit à l'œil, mais. Hein? Wouh! J'ai failli me couper le doigt, avez-vous vu? Salut Nathalie. Oui, tout le monde est à bout. Mais pour vrai, les enfants, là, sont quasiment meilleurs que les adultes. Au niveau de ça. Oups, voyons. Ça va, j'ai perdu mon cours de coupage aujourd'hui. Ouais. Bon. Moi, j'ai trop plus patient que les adultes. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie d'artiste. Moi, j'ai hâte que les cours recommencent. Qu'on puisse plus se voir. J'ai hâte d'aller porter les cadeaux au monde en personne. Il y en a une couple que je vois pareil, que je fais des livraisons, qui viennent à mon foyer chercher les trucs. Mon foyer, c'est l'endroit où je travaille. Bon, je vais peut-être la garder, cette petite bande-là. Bon. Puis.
J'ai hâte d'aller squatter les piscines de tout le monde que je connais. Vous autres, faites-vous ça? Je fais vraiment des blagues, là, ce soir. Hein? Bon, voici le désordre total de mon endroit. Bon. Celle-là, on va le coller sur le fond. Ça bougera pas, lui aussi, il était beau. Des fois, je colle avec de la colle, mais à soir, je colle avec ça parce que ça va coller mieux le papier. La tape double face de Fabrica Décoru, il colle en tabarouette. Ouais. Je te dis. Fait que là, on va sûrement mettre un petit peu de poté là-dedans. Hein? Il y en a là qui me demandaient, je sais pas si vous êtes là, mais qui me demandaient comment j'ai fait mon sang dans ma page Lime Citron cette semaine. J'ai mis deux sortes de poudre, Lindy, Fabrica, puis j'ai mélangé. C'était super le fun. Fait qu'on dirait, au début, je trouvais que ça ressemblait pas à du sang, mais quand ça a séché, ça a été encore plus beau. Donc, j'étais contente du résultat. Est-ce que vous l'avez fait, vous autres, le défi de cette semaine? Elle l'a quand même juste sorti hier, là. Y en a-tu qui l'ont déjà fait? Des fois, vous êtes rapide. Mon chat a senti ma vieille tasse de café par la chemin. Vous me répondrez. Tu sais, vous savez, j'attends juste ça, vos réponses. Mon chum, il doit être tanné de m'entendre parler tout seul le soir. Ben, je parle pas tout seul, je parle avec vous, mais il doit dire, elle est bizarre, ma blonde. Elle parle tout le temps à sa caméra. Bon. Ben, ça a l'air louche, mon affaire, fait que je vais y mettre. J'ai mal collé. Comme cela. Quand je fais des bruits, c'est bizarre. Je suis après y penser. J'ai trouvé la photo. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne participe pas. Oups, elle était très belle ta page. Merci, c'est gentil. Oui, l'autre fois, j'ai aimé ça la faire en live avec vous. Par contre, quand je la fais en live, je suis moins concentrée, plus hésitante. J'ai pas trouvé que moi, ça faisait un beau résultat. Elle est pas lettre, là, ma page, mais j'ai moins aimé le résultat. Donc. Non. Ça fait deux fois que j'essaie de déplacer. Sinon, je vais mettre de côté. Comme ça, je ne reprendrai pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que là, on va y mettre un petit peu de 3D en dessous de ça. En dessous de ces deux-là. En premier, ça va être lui. Puis là, je vais prendre ma colle. Bon, ça ne participe pas. Moi, j'ai Nathalie. C'est Nathalie qui me disait de mettre la photo verte de ce matin avec mon masque bizarre. Je sais pas si je suis game. D'habitude, je suis game, mais là, elle sait pas. Je sais pas pantoute. Bon, voilà. Si je me trompe pas, je pouvais descendre un peu plus, comme ça. J'en ai un paquet, hein, de vieux bois. Écoute, moi, il n'y a rien de laid, hein, dans la vie. Fait que, faut pas que vous pensiez que parce que j'en fais beaucoup, que je juge les autres. Au contraire, j'aime ça voir ce que les autres font.
Fait que y a pas meilleur, moins bon. Y en a qui me disent ah, tu vas être coup de cœur. Fais pas ça pour être coup de cœur, mais là, non. Je fais ça pour m'amuser. Dans vie, c'est pour ça que j'ai arrêté d'être datée un peu partout. J'étais tannée de la compétition. Puis du blablatage. Fait que tout est beau, tout est le fun. Puis je sais pas coller. YouTube board. Mais ça serait le fun que vous participiez. Bon, je pense que j'ai assez collé de tout ça. J'ai l'impression de faire un casse-tête. Il y en a-tu qui ont suivi aussi que je faisais des challenges dans-ci? Là, mon challenge que je fais en ce moment, c'est ben j'en fais 4. Des challenges de 30 jours. Puis j'en ai un que j'ai commencé hier. Qui est un challenge de sport qu'une collègue fait. Moi, j'ai décidé de le faire. Il y en a un autre que c'est un challenge pour vivre le moment présent. Il y en a un, c'est un challenge planche. Planche, c'est pour faire des abdos, là. Je fais ça, moi, là. Mais c'est drôle. C'est drôle parce que là, on est rendu à... Faut que je t'offre 2 minutes d'abdos. C'est vraiment difficile, mais je le t'offre. Demain, c'est 2 minutes et demie de planche. Je vous confirme que j'ai mal aux abdos. Mais bon. Faut ce qu'il faut, hein, pour être comme Jessica à bas. Je sais pas si vous savez c'est qui. Je fais des blagues. Là, en plus, dimanche, on est allé faire, moi puis mon amoureux, on est allé faire un shooting photo à l'île d'Orléans. Allez, je vous parle de ma vie, hein. Il y a toute l'année, on entend parler de ma vie. On est allé faire ça, tu vois, un shooting photo. J'avais jamais fait ça dans ma vie. Ben oui, oui et non. J'avais jamais fait ça de façon professionnelle et en couple. Je suis une vieille célibataire avant mon chum, hein, fait que... C'était bien drôle. C'était bien drôle. Là, je suis allée me chercher un sheetboard dans mon sol d'atelier, en dessous de ma table. Pas loin, mon sol. Parce que là, celui-là, je vais le mettre ici. Et je vais y mettre un petit peu. Ouais, des fois c'est plus dur, oui, effectivement, avec puis c'est dur pour les bras. Puis en plus, hier, j'ai recommencé à masser. J'ai eu 2 massages d'une heure et demie. Plus je fais ma planche. Fait que merci, c'est gentil. Pour la pêche, ouais, je fais ma planche, plus le massage qui rentre, tu sais, veux pas, c'est physique être massothérapeute, là. C'est vraiment drôle. Mais savez-vous quoi? C'est tellement le fun. Ma vie est tellement le fun que je vous la donnerai pas à personne. Mais la planche, je te dirais que je lâche une coupe de sacre. Mais c'est correct, on a le droit de sacrer, hein? Une fois de temps en temps. Moi, je savais que ça, je le boguerais un peu comme cela. Ouais. Fait que là, ça, ça va aller là. Je vais y rajouter un petit peu de... peu de vie. Je sais pas de quoi la vie est faite. Je sais pas ce que mon chum fait. Il passe sa vie à changer de bord. Je le découpe-tu, lui? Il serait magnifique. Hein? Tant qu'il a découpé encore quelque chose. De 24 heures. J'ai besoin de 24 heures, je sais pas. En fait, moi, j'en ferais... je dormirais pas. Moi, ma vie, là, serait un bonheur si je dormais pas. Lequel choisir? Droite ou gauche?
Ou... Mon chat n'a rien, c'est nerveux, là. Ou je prends des plumes. Ouais, je pense que je vais prendre des plumes. Excusez, vous m'avez dit droite. Je sais même plus c'est laquelle. Salut, droite. Je vais le découper, puis au pire, je le mettrai. Vous vous ennuyez de me voir découper, hein, petit gogos? Ouais, depuis que je suis jeune, là, je combats le sommeil. Je n'aime pas... J'aime dormir le matin en congé. Mais je n'aime pas dormir et perdre tout. J'ai comme tout le temps un besoin de faire quelque chose. Puis j'haïs ça dormir. Salut Lorraine. Ça va être les plumes avec lui. Je vais avoir les deux. Comme mon chum, il a de l'air à courir le marathon. Vous l'entendez pas, hein? Ça va, Fred? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Les litières? Ouais. OK. Ah, oh, c'est ça son marathon. C'est les litières. Salut, Alexandra. Hey, non, non, hein, écoute, j'ai 5 Bengales. Puis 4 Maine Coons. Donc, 4 qui s'en viennent nouveaux. Ça veut dire que je vais avoir 8 Maine Coons, 5 Bengals. Peut-être un jour 6. Fait que c'est sûr, ça miaule ici, c'est un moyen temps. Je l'ai peut-être découpé pour rien. En tout cas, bon, il va être là. Ça... Ça fit avec la photo. Miaou, miaou. Bon, hein, c'est du scrap fimo. Ça, ça fit pas. Peut-être pas obligé de mettre des badges. Peut-être celle-là. Salut Martin, salut Lorraine, tu es revenue? Des fois ça bug, hein, vous partez puis vous revenez. C'est quoi cet habit-là? Mon chum est habillé en jogging bizarre. Je pense qu'il... Jack and John. Ah, c'est du Jack and John. Mais il était pas habillé de même tantôt, fait que... Puis là, savez-vous quoi, il est allé chez le dentiste, on lui demande-tu de dire des phrases? Non. Parce que, ouais, c'était pas très compréhensible ce qu'il disait tantôt, fait que c'était drôle. Celle-là fitrait. Non, celle-là fitrait. Il me parlait au téléphone, je comprenais à rien. Fait que je suis allée, oups. Ça va être un gros tag de même. Fait que ces deux-là, celle-là, non, pas tout de suite. Si je mets cela, c'est pas si pire. Je mets des fleurs ici par là. Ouais. Allons-y comme ça. Bon. Quoi, désolé pour mon chum qui fait du bruit. Non, il pense qu'il est tout seul. D'après moi, ça va être pas pire. Qui ça? Mon chum? Ou le chat? Mon chum, c'est son rêve, hein, en passant, de bricoler
avec moi, mais je sais pas si j'ai la patience. Tu sais, hein, j'arrête pas de le dire, c'est pas ma force, la patience. Fait que... Là, sacrilège. Oh, 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 oh. Bout. De trucs coupés. Je sais pas si je mets des cordes. J'ai-tu le goût de mettre des cordes après ça? Salut Nicole! Ah oui, mon chum aimerait ça, venir vous voir. J'y demanderais n'importe quoi, il ferait. Je suis pas sûre que j'aime ça. Ça. Ça m'a pas parlé, Fred? Ça, oui. Des fois, il doit dire « Coudonc, tu parles tout le temps à moi. » Mais ils écoutent pas mes lives, hein. Ils trouvent ça trop long. Cette plume est belle. En tout cas, à date, j'ai le... ce que ça prend. C'est des produits... Mais pour vrai, ils se recoulent les deux mâles parce que... En fait, j'ai séparé mes deux mâles parce que je savais pas si mon était enceinte ou pas. Fait que là, j'ai remis un mâle dans le garage, un mâle encore dans la pièce en attendant de peut-être retourner mon. Fait que là, t'en as... Donc là, on les entend en background, hein? Et ça, c'était mon chien. Bon, écoute, la famille au grand complet fait du bruit, cette... C'est ça, être calme. Hein? Fait que finalement, j'ai décidé de mettre une corde. Y en a-tu parmi vous que... ils ont déjà cété, tu sais, si tu restes loin de moi, c'est correct, là. Mais ils ont-tu déjà cété leur massothérapeute? Est-ce que vous aviez hâte de revoir des massages? Y en a-tu pour qui c'est nécessaire à leur vie? Je suis curieuse de vous entendre. Ou non, vous aimez pas du tout les massages? Allez, allez! Moi, je sais que je pense que la mienne, elle a peur un peu. Parce que je travaille dans le... Je travaille dans le domaine de la santé, fait qu'elle n'ose pas. Mais en même temps... En même temps, elle devrait pas avoir peur. Je suis pas sûre, les plumes, à date. Seigneur que je peux brancher, hein? Ah oui, Brigitte, elle déteste les massages. Ça dépend. Moi, j'ai détesté ça avant. Puis le monde trouve ça drôle parce que je suis rendue massothérapeute. J'aimais vraiment pas ça. Puis après ça, j'ai... déclenché, puis j'aime ça. Fait que ça dépend tout le temps. Je sais pas, en prenant le cours, j'ai compris. Oui, des fois, c'est ça. Mais ils disent, hein, que... Puis là, je parle pas pour moi, là, pour que vous veniez me voir, là. Je dis pas ça. Mais notre corps doit s'habituer au massage, puis ils disent qu'un massage, une fois par mois, est la... Et la bonne posologie pour apprécier le moment. Parce que c'est ça, notre corps... tu sais, si on y va trop trop espacé, notre corps a plus le goût de le faire.
tout ça. Hey, mon, je vois que mon sel va lâcher. Ça va pas long. Coudonc, mon... Je pense que je serais pas capable de le brancher. Attendez, je vais juste aller voir mon nombre de batteries, mais je le vois pas. Pas grave. Bon, si ça lâche complètement, c'est que j'ai épuisé ma batterie. Pourtant, je l'ai chargée un peu avant. Mais bon. Je vais essayer d'aller plus vite pour arrêter de jaser. Écoute, Brigitte, j'en connais une bonne. Moi. Je fais des blagues. Mais oui, ça prend. Pour vrai, ça prend quelqu'un de confiance. Ça prend quelqu'un qu'on est bien ou qu'on est à l'aise avec cette personne-là. Ça prend. Tu sais, des fois, je fais des blagues, mais j'ai des gens de ma famille qui viennent pas me voir parce que pour eux, je suis soit leur nièce ou tu sais, quelqu'un qu'ils connaissent trop. Puis avec raison, là, c'est. Ça prend vraiment. Avec raison, ils connaissent trop, mais ça prend vraiment. C'est quelqu'un vraiment de confiance. Bon. Ben, je sais pas que je suis pas de confiance, mais tu sais, faut se sentir bien avec la personne. Mais bon, fait que je fais bien des blagues, puis je vous dis pas ça parce que je veux que vous veniez me voir, parce que je suis meilleure qu'un autre. Au contraire, je dis qu'il faut être bien avec la personne. Bon, arrête de jaser, Cindy, travaille avant que ton sel les slaque quand. Comme on dit... J'ai peut-être trouvé un petit filon pour ajouter les petites plumes. Hein? Quand je décide d'arrêter de jaser, ça y va au toast. Mon chat me jase en arrière, fait qu'il dit dégadine. Dégadine la fille. Voilà. Ouais, souvent c'est ça. Il faut trouver la bonne personne, la bonne pression, le bon momentum, comme on dit. Fait que choisissez-les, votre masseau. Faut qu'elle prenne soin de vous et que vous ayez confiance. Ça sent bien, bien. Mon affaire. Quand je jase pas trop, ben je jase un peu quand même. C'est ça. Pour vrai, là, si vous les avez pas, je sais pas s'il en reste encore, là, ces die-cuts-là, ils sont magnifiques. C'est vraiment une bonne idée qu'elle a eue de sortir ces die-cuts. Scrap film. Bon, papillon, il y en a assez, je crois. Regardons. Ah. Merci. Si jamais ça arrête, là, c'est vraiment que mon sel. Pourtant, je l'ai rechargé, mais peut-être qu'il se fatigue plus vite ces temps-ci. Fait que si ça arrête, là, je m'en excuse vraiment. Bon, mon chum, ça fait un smoothie, gang. Il est drôle, là.
Bon, j'ai assez mis de trucs là-dedans. Je pense. Tantôt, je disais que je voulais pas mettre de badge, mais je vais en mettre. Celle que vous venez d'entendre, c'est celle qui va se faire pas enfermée, mais bien isolée ce soir. Elle n'est plus capable. Elle s'endure plus. Bon, on va y mettre un petit peu de couleur. Un titre, ça serait bien. Je ne mettrai pas de fleurs. Ça, ça va avec ça. Je vais y mettre un titre, les citrons. Ah ah! Ça serait beau. Je le trouve. Oh! Ouch! Je me suis plantée. En tout cas, j'espère que ça ne lâchera pas là, avant d'aller finir. J'ai fini. Aventure, maman, vacances, sur la route. Ce serait peut-être une bonne idée parce que elle est en train de marcher sur la roue. Allez, retour. Ici et ailleurs. Ah, oh, j'ai mis ça. Ici et ailleurs. Bon, voilà. Voilà, ça n'a pas lâché encore, gang. Hein? Ça va être juste à temps. Juste à temps. Ça serait magnifique. Là, ce que je vais faire, là, c'est sûr que mon truc va lâcher. C'est sûr qu'il va lâcher avant le temps. Fait que là, j'ai mis le petit titre. Je vais mettre un petit peu de... Voyons. D'éclaboussure. Puis, ma page va être terminée, mais je vais arrêter tout de suite comme ça. Non, c'est pas moi qui a pris la photo. Lorraine, c'est souvent des photos Pinterest. Fait que je vous... vous allez voir la fin, là. Je vais mettre des éclaboussures, puis un petit peu de blanc, de couleur. Puis, ça va être la fin de la page. Mais mon sel va lâcher. Fait que je vous dis un petit... Bye bye et vous allez voir les photos dans pas long. Bye bye!